Bonjour, je m'appelle Ranjamanit Nasundisi, j'ai 27 ans, ingénieur en énergie renouvelable de l'École supérieure polytechnique d'Antsirana. L'emploi de l'électricité et la gaz pour la cuisson reste un luxe pour la majorité de la population. En plus, la combustion du charbon de bois dégage beaucoup de fumée, favorisant les maladies respiratoires, et son prix est constamment en augmentation et la qualité n'est pas assurée. Notre projet, qui est déjà commencé il y a 4 mois, choisi de fabriquer du charbon biocombustible. Cependant, le coke de coco et les déchets de 10 de 4 représentent notre source de matière première. Ils sont tous disponibles pendant toute la saison de l'année. Après de plusieurs tests, notre produit est bien satisfaisant et avoir un pouvoir calorifique meilleur. Le produit sera mis sous sac et vendu sur la kiosque ou livré à l'adresse du client selon sa commande. Les objectifs du projet sont premièrement de recourir aux énergies renouvelables et diminuer l'utilisation du charbon de bois traditionnel. Deuxièmement, de lutter contre le changement climatique. Et le projet s'inscrit dans le contexte de lutter contre la déforestation. Troisièmement, de réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Quatrièmement, réduire le prix de production de combustion dans le ménage. Merci à tous.